Nous votons un rapport consensuel sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. C'est une bonne nouvelle. Nous sommes tous d'accord sur les objectifs et le besoin d'agir. Mais si nous n'agissons pas concrètement, objectif par objectif, nous n'y arriverons jamais. Par exemple, la semaine dernière, les membres de l'OMC sont parvenus à un accord ambitieux pour atteindre l'ODD 14.6 sur l'interdiction des subventions à la pêche néfaste pour l'environnement marin. C'est historique. L'accord permet d'interdire les subventions aux pêches illégales, mais aussi toutes les subventions aux navires qui ciblent des espèces surpêchées. Sauf que l'accord n'interdit pas les subventions encourageant la capacité de pêche et ne dit rien sur les subventions au carburant. Ce sont donc près de 18 milliards d'euros au niveau mondial d'argent public dont une partie entraîne la surpêche et laisse des millions de personnes dans la faim et la pauvreté. Il faudra aller encore plus loin. Alors que les crises humanitaires et le changement climatique s'accélèrent, les politiques européennes et mondiales sont encore loin d'être alignées sur les ODD. La politique agricole commune est-elle compatible avec les accords de Paris? Non. Les politiques commerciales sont-elles compatibles avec la sécurité alimentaire? Non. Atteindre les ODD, c'est avant tout agir concrètement pour transformer nos politiques. Merci.